Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler mariage. Donc c'est les beaux jours, c'est l'été et qui dit beaux jours, dit mariage. On est toujours contente d'aller à un mariage, mais on se pose toujours la même question. Comment je m'habille? Qu'est-ce que je veux mettre? Donc, on vous a sélectionné 4 looks pour être l'invitée parfaite à un mariage. Pour ce premier look, j'ai choisi une robe fourreau, longueur sous le genou, très élégante, avec des détails super originaux, une découpe drapée à l'avant et une ouverture sous la poitrine. Je l'accessoirise avec une manchette, une pochette et une paire de sandales. Un look idéal pour être l'invitée parfaite à un mariage. La robe vient de chez Asos, les chaussures des Trois Suisses, la pochette de chez New Look et la manchette Mati Bijoux. Donc pour ce deuxième look, j'ai choisi un ensemble tailleur pantalon. Donc celui-là, donc il est vraiment sympa, simple et efficace. Hein, donc j'ai vraiment voulu jouer la carte du féminin masculin, donc avec une coupe oversize. Donc un t-shirt tout simple, ce magnifique clutch métallisé, une petite paire de derby métallisé. Donc ça, c'est vraiment le style boyish. Le tailleur pantalon, il vient de chez Only. Le clutch New Look et les derbies de chez Ambré. Pour ce troisième look, j'ai opté pour le total look lamé avec ce magnifique ensemble. Super sympa. Donc un haut et une jupe. Une tenue super moderne, dans l'air du temps. Un look qui en jette sans faire de l'ombre à la mariée. Donc j'apporte une petite touche d'élégance avec cette superbe veste blanche, paire de sandales et un magnifique clutch super rigolo en forme d'ananas. Donc pas besoin d'en faire plus, la tenue se suffit à elle-même. Donc l'ensemble vient de chez Mango Outlet, les sandales viennent de chez Eram, la veste blanche vient de Bacon's Closet et le sac il vient de chez Balaboosté. Pour ce quatrième et dernier look, donc j'ai misé sur la tendance de la superposition, donc le layering avec cette magnifique robe nuisette et ce sublime pantalon en satin coloré. Donc j'ai vraiment surfé sur la tendance pyjama, donc l'effet sleepwear. Et pour finir le look, donc j'ajoute une petite veste de smoking, donc qui va renforcer le côté chic de la tenue. C'est vraiment une tenue qui donne une allure distinguée et avant-gardiste. Le pantalon vient de la maison Rabique Rose. La veste, elle vient de chez La Redoute. La nuisette de chez Mango Outlet. Les chaussures de Minelli et le clutch vient de chez New Look. Voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous laisse toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous dire quel était votre look préféré. En tout cas, pour le mien, c'était le numéro 2. Et moi, c'était le numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez voir d'autres thématiques, bah, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Donc, on se fera un plaisir de faire une vidéo dessus. Rejoignez le syndic en vous abonnant à la chaîne. Et surtout, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Bah, quant à nous, bah, on se dit à une prochaine vidéo. Oui. Merci. Ciao, ciao.